Elle était amoureuse. Amoureuse d'un homme d'une autre tribu que la sienne. Et pour cela, cette jeune femme de 20 ans qui cache son visage a été violée par un groupe d'hommes pour la punir. J'ai été violée par des hommes près de chez moi. Ils étaient 12 et ils appartenaient à un groupe. Ils avaient le même âge. L'affaire fait grand bruit en Inde. Il s'agit d'un énième viol. Un de trop. Un tout aussi crapuleux que tous les autres. L'histoire se passe dans un village à Birbhum, à une centaine de kilomètres de Calcutta. La victime était amoureuse d'un jeune musulman d'une autre communauté. Inconcevable pour le conseil de village, qui la condamne au viol. Personne dans un état de droit ne peut violer une femme. C'est illégal et les responsables doivent être punis. Ils seront poursuivis en justice. Cet incident est horrible. Le viol en question va plus loin. Il pointe du doigt le pouvoir suprême de l'homme en Inde. Les conseils de village, composés d'hommes, sont connus pour infliger aux femmes des violences sexuelles, des châtiments inhumains pouvant aller jusqu'au crime d'honneur. Problème, ces conseils de village n'ont aucun fondement légal, tout comme leurs décisions. Si le gouvernement connaît leur existence et les tolère, il entend aujourd'hui les suspendre le plus vite possible.